Hello everybody, it's Silver Laker, all Legend of Grimrock 2. Bon, on va arrêter de parler en anglais parce que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas plus. Donc on était là avec la petite grotte sur la droite et on avait les deux coffres à récupérer, si vous vous souvenez, ici et là, avec un certain lockpick. Je pense qu'on va d'abord tout fouiller. Et en fonction de ce qu'on trouve, on agira en conséquence. Alors... Warhammer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 9-27. 7-22. Il a une spéciale attaque parce que c'est une heavy weapon. Hop, on remplace. Des balles. Oh, à chaque fois, je trouve qu'on a de la chance. Hein. Donc là-bas, c'est ouvert ici. Je trouve qu'on a de la chance parce qu'à chaque fois, on trouve les balles quand on en a presque plus. Je sais pas si on peut en fabriquer. Peut-être plus tard. Alors, avançons gaiement. Donc là, on retournerait au début. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Nord, Slit Island. Ouest, Twigwood Forest. Et Killbreak Bog, au sud. Ok. Jusque-là, tout va bien. Tiens, fouillons ici, on n'a pas fouillé. Il y a des petits fruits. Ah, et on entend tout ce qui se passe là-bas. Les pics, ou les lames, je ne sais pas. Il est plus là, lui. Non. Bah, on va aller voir. Nourriture. Alors. Ok. Je sens qu'on va mourir. Shrine of Faith. Il avait pas un sort, lui, pour faire un bouclier? Okay. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à chercher. Alors comment elles sont? Tac, tac. Et elles repartent en arrière. Aïe! Il y a rien. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein, parce que là, les deux du bas ont pris bordel, Starving, comme par hasard. Est-ce que c'est pas un truc à faire plus tard, parce que là ça me fait un peu flipper. On va prendre la torche. On va faire un petit F5, parce qu'on est devant un endroit assez compliqué. J'ai rien vu, y'a pas... Oh! J'ai peur! Oh! Lettre. Oh, I'm sorry. Donc, oh, je suis désolé. J'espère que mon petit piège ne vous a pas cassé quelques os. Et ne fera pas grand chose pour votre journée héroïque. Donc en gros, il est en train de nous dire que ce n'était qu'un piège. Et que finalement, on l'a dans le baba. C'est bien ce que j'ai compris. Donc là, il y a un autre passage pour aller à une autre ville. Ah, il n'y a pas assez de mana. Swordman. On va essayer de faire ça. On va essayer de tourner autour comme ça, on va le guider. Hein. Pas les ressusciter, nous n'avons pas de pouvoir. Ah, c'est bon. On va y aller comme ça. Ce problème, c'est que j'aurais aimé. Hop.
On va y aller comme ça. C'est très très bien. Il va falloir qu'on repasse de l'autre côté. C'était obligé. Ah, j'ai quand même touché. Mais touche-le, t'as un marteau, tout gros bourrin. Ah oui, d'accord. Ça va essayer de barrer. Désolé, je suis en rhumé. Du coup, j'ai fait des bruits avec mon nez. Je renifle. Non, mais c'est pas vrai. C'est un truc de fou. Bon, on va prendre notre temps. Je sais pas ce que j'ai fait. D'accord, j'ai ouvert le passage ici. Et au fond là-bas, il n'y avait rien. Eh ben non. Ah. Vous voyez comme c'est salaud ces trucs. Bon, on va vite retourner au cristal. Donc le chemin le plus court. Bah, en même temps, on ira chercher ce qu'il y avait dans le coffre là-bas. Alors, il y avait un petit endroit ici qu'on n'avait pas fouillé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, mais... Voilà. Mais je préfère découvrir toute la map. Ah oui, c'était ce fameux passage. Hop. Ah oui, le téléporteur est là. Ah, mais non, faut toujours face. Ou alors on passe de l'autre côté, hein. On va passer de l'autre côté. Hein. Tant pis, ça fait du chemin. Où c'est qu'il y a une échelle? Vite. J'ai pas envie de mourir. Ce serait dommage. Surtout avec tout ce qu'on a fait. Tant quel est le con qui a tout cassé? Voilà. Ah oui, il y a la pierre derrière là. Ah bah regardez. Hop là. Une nouvelle petite gemme. Et du coup, faut retourner où? Là. Donc hop. Hop là. Allez, on y retourne. Cette fois, c'est la bonne. Eh ben, on n'a pas fait grand-chose, hein. Et ça passe vite, le temps. On va se dépêcher un peu. Allez, run. C'était un peu ha-ha-ha, je vous ai bien niqué. C'est signé Zandar. C'était vraiment ça. Bon, si, il y a quand même un passage pour aller au nord. Mais bon. Oh, je suis désolé pour me moucher comme ça dans vos oreilles. Bon, allons chercher ces petites choses. Nous avons un lockpack. Faudrait juste penser, je vais me faire un petit truc sur le... comment ça s'appelle? Sur la carte. Ah, il faut cliquer. Oh non, c'est nul en plus. Gants de voleur. Il manque plus que les sandales. Bon. Ouais, je peux pas tout faire. Et là, on retourne ici. Ok. Bon, du coup, on sait qu'il y en a un coffre ici, donc on peut mettre une petite croix là, avec marqué « Pas pris ». Voilà, on s'en souviendra. Du
Du coup. Je pense qu'on va aller dans un des souterrains avant qu'on finisse de fouiller l'eau. Parce que là-bas, il y a un petit passage où on n'est pas allé, mais je pense que ça se ferme. On peut fouiller l'eau. Allez, fouille. Il y a une tortue, faut la buter. Mais on peut pas, je crois, en fait. On peut pas utiliser les armes sous la flotte. Ah si, regardez. Il faut fouiller. Ah, on perd quand même de la vie là. Na. Un petit dodo. Oh. Le poisson donne moins qu'un fruit. Je tiens à le dire. Donc la vie continue lorsque nous sommes sous l'eau. Alors dépêchons-nous. Ah. Repartons. Vite. Y'a rien. On se dépêche. Où es-tu? C'est lui qui nous attaque. Et ben voilà. Oh là là. C'est dangereux, mais bon, on va trouver une petite caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah! Une gold key, on va pouvoir libérer ça là-bas. Une ça et une torche. Alors attendez. La gold key, très important. Et ça, on va regarder aussi. Alors ça, il a déjà les heures cuisses. Ah bah, on va le donner à lui. Hop, et là. Là et là. Là, il a. Mais là, il a. Oh là là. Ça va pas, ça. Bon, allons libérer. Grâce à la Golden Key, la chose si présente. Donc ça doit être un bâton de nage, hein, à première vue. Nectar Branch Wand. Alors, lui, il commence à avoir trop de trucs sur cette. Willpower, concentration, branche offre, nectar. Pouf! Voilà. Énergie plus 5, et lui. Énergie plus 5 plus 1 willpower, donc il est plus puissant. On peut poser sur le bâton. Parce que lui, de toute façon. Ah non, on peut lui donner. Requiert 1 de concentration. Can't use. Ah. Qu'au prochain, faudrait prendre 1 de concentration histoire de l'avoir. Donc on va garder ça comme ça. Bon. On retourne jusque là pour le. Petit cristal histoire de, donc c'est bien, oui c'est bien un truc de mage. Et ensuite je pense qu'on va aller dans la gros grotte qui se trouve ici. Là on a fait beaucoup d'allers-retours, hein. Et voilà, j'aimerais bien trouver un autre flingue parce que celui-là il est beau, mais commence à être désuet. Allez, c'est parti. Je sais plus quoi d'ailleurs il s'appelle. Oh, j'adore. Il y a des rats. Il y a deux rats. Bonjour. Si j'ai tiré. Oh, comment il fait pour charger si vite que ça? C'est quoi ce petit rat? Des balles. D'accord.
Oh oh, ça c'est pas bon. Pourquoi? Enable to cast spell, j'y crois pas! Ça c'est un peu abusé. Oh le monde, le monde, le monde. Oh, pom, 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 pom. Oh c'est hallucinant! Can't use. Oh non, c'est pas vrai. Tiens ça. Tu vas me dire qu'il nous faut une potion de vie. Ah. Lui, Starving, ils font chier à toujours avoir envie de bouffer. Voilà, on va tous les regarder. Alors toi, t'as encore envie un peu, voilà. Toi, c'est bon. Et tu vas manger un fruit. Et toi, t'as rien à bouffer. Tu vas bouffer un œuf. Bon, redormons. Mais ils sont chauds en bas, oh, les petits rats, là. Ils sont très, très embêtants, surtout. Voilà. Bouffe. Une clé dorée. Parfait, ça. Oh, il s'est énervé, lui. Ding, ding, ding. C'est pas vrai, il me saoule à tout rater. Oh c'est fou. Les gars de devant mais... Purée de vos mémés quoi. Alors, une Mudwort. Dodo, ça fait pas de mal. Voilà, un petit F5 aussi, puisque là on est bien. On va créer des potions. Ok. Parce que c'est souvent trop tard après. Voilà. Je suis un apprenti alchimiste. CF Cage, donc la cache des voleurs entre guillemets. Paladin cache. Ah et d'accord, on voit en fait que là il y a des flèches. Là paladin, il y a une belle épée. Conjureur cache. Conjureur. J'ai envie de faire une petite sauvegarde et de faire en fonction. Ah, attendez, il y en a peut-être une autre. Snake Charmer cache. Il y a un sort là en plus. Ah, allez, on va prendre Snake Charmer. Poison Shield. Oh. Le bracelet du serpent et une corde. Ah, ça peut nous permettre de monter quelque part, escalader du moins. D'accord, donc maintenant il va falloir regarder dans tous les coins. Donc ton nouveau sort, ok, mais t'as pas assez de quoi que ce soit. Ça m'étonnerait qu'il y ait un petit passage secret ici. Ok, une deuxième golden key. Bon, il y avait un arc avec un truc au fond. Je sais pas ce que c'était. Un bouclier et une potion. Une orbe. Ah, l'orbe, ça aurait peut-être été bien. Parce que l'orbe éclaire sans rien. Bon, bah, c'est comme ça. On va aller à l'autre caverne. Parce qu'il n'y avait pas de lockpick. Connerie. Par contre, je sais pas si on va au nord ou au sud. Bon, déjà, on va descendre. Là c'était The Hub.
Wow. Wow. C'est beau. Cette porte ne m'inspire pas. Hamlet Home Stormbridge. Shipwreck Beach. C'est pour se TP à certains endroits. Kill Bridge Bog. Et cimetière. D'accord, c'est pour se TP à certains endroits. Oh, c'est sympa ça. Mais en même temps, j'hésite à y aller parce que imaginons j'y vais et faut tout refaire le sens inverse. Et on va dire que je me sens pas trop de faire le sens inverse. N'est-ce pas? Parce que ça veut dire que je repop un endroit ici, il faut tout que je retraverse par là et que je retraverse par là. Mais autant je réapparais à un endroit où il y a un coffre aussi. Non, je sais pas. Bon. Tant pis, on sait que là, du coup, c'est des passages qui peuvent nous téléporter au cas où. A mon avis, c'est qu'on doit devoir y retourner à un moment ou à un autre. Donc, il nous reste plus qu'à aller à la forêt ou au marais. Moi, je serais plus chaud pour aller au marais. Mais bon. C'est une forêt encore, hein? Je me rappelle plus. On y est allé, mais ça a rien dit. Slit Island. Bon, moi je suis plus chaud pour aller là-bas. Donc on va au marais, on va sûrement se prendre du poison en pleine figure. Ça c'est même sûr et certain. Allez, allons-y, gamin. Ah bah voilà. Ah non, ça va. Bien, il y a un truc qu'on va devoir faire de rapidement. Oh, des insectes. Alors, qu'est-ce que... Don't let the rock fall short of their target. Attendez, je vous ai pas entendu. Don't let the rocks fall short of their target. Ne laissez pas tomber les rochers ou les cailloux devant votre cible ou un truc comme ça. Donc en fait, faut jeter un caillou là et qu'il prenne la même trajectoire et au bout, il doit avoir un passage. Attendez, on va regarder ce qui se passe. Ouais, voilà. Au pire, il réapparaîtra derrière. Bon, j'ai ouvert quelque chose. Bah ici. Là où il y avait les insectes. Donc on va commencer à fouiller par là. Donc ça veut dire qu'ici on peut pas y aller. Même avec la potion de... Il y a un autre téléporteur là-bas. Même avec la potion de rapidité, je pense qu'on ne peut pas. Alors préparons-nous face à ces moustiques. Oh la vache. Oh, ils ont faim. Un truc acheté, un truc important, pas important. Parce que les cailloux, ça reste important. Les moustiques. Voilà, vitesse où ils vont. Ils nous ont tout bouffé. Black Moss. Wow, je l'ai pas vu. Alors, les générations avant vous have trodden their path. Alors là, seulement eux et ils ont la patience de suivre, de les suivre jusqu'à la fin. Les suivre où, comment, pourquoi?
Il y a une autre forteresse ici. Ah! Oh, ils ont une sale tête en plus, hein! Vous allez vous calmer là! Oh la vache! Oh, ils sont voraces, un truc de fou! C'est vachement lugubre. Alors, je sais même pas. Oh, oui, on doit sûrement pouvoir tomber là-dedans. On va éviter, hein. C'est mieux. Je veux quand même fouiller là-bas, je préfère aller là-bas. Il y a une lumière chelou ici. Pourquoi c'est mieux éclairé? Donc là on peut encore tomber, il y a l'échelle. Ah au pire il y a une échelle. On verra, il y a peut-être quelque chose en bas. Alors pourquoi il y a une lumière bizarre? Je ne sais pas. On a trouvé une forteresse. Une nouvelle essence à placer ici. Donc c'est les éléments de la terre ici. La terre est, c'est la rune de la vitalité, des montagnes et des plantes. Dans le sud-ouest, elles sont la force de la terre est plus puissante. Sud-est ou sud-... Non, sud-ouest. Je sais pas si j'ai dit sud-est ou sud-ouest ou sud-ouest. Ah, pff, voilà. Alors, all matter is made from basic elements. Donc, toute la matière est fabriquée à partir des éléments basiques, feu, terre, air et eau. Donc, le feu oppose l'eau et l'air oppose la terre. Mais sans le cinquième élément, on ne peut rien faire avec ces quatre. As the four elements will cancel each other out. Le cinquième élément est caché quelque part sur l'île. Trouvez-le et vous trouverez l'illumination. Alors, portez les quatre éléments, les power gems, pour les fusionner en essence. S'il n'y a pas... Not all of the gems lay under the sky. Donc elles sont en dessous, comme la dernière fois en fait. Donc en fait, je pense qu'il doit avoir 4 temples comme ceci. Encore une fois, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais bon, il y a 4 temples. Et on doit trouver ces fameuses petites pierres qui nous permettront... C'est une bestiole qui crie ou... Ah, là il y a quelque chose derrière. Je suis le dieu droit. Je sais que les météores tombent. Où les météores tombent? I saw where the meteor fell. Donc il y a un météore qui est tombé. Un bouclier, qu'est-ce qu'il donne celui-là? 4 en évasion. Ouais, je préfère garder de la vie, hein, perso. Tac, et ça on le pose là. Une potion anti-venin qu'on donne à lui. Ça sent l'araignée. Oh. Mais vraiment, hein, je ne mens pas. Donc il y a encore une zone en bas peut-être, mais il devrait avoir la mer en toute logique. Une grotte. Donc là on doit descendre. Oh, le bruit que ça fait, boum. Les gars ils font 500 kilos.
Venom Age. 5-15 dextérité. Pas beaucoup de dégâts, mais je pense que ça empoisonne. Ça, ça peut se casser ou pas? Non. Là, il y a quelque chose qui a été cassé. Une dalle, comme s'il y avait eu un pont. Allez, allons-y gaiement. Partons vers la droite. Rencontrer les bêtes putrées. Oh! Oui, qui peut avaler quelqu'un? Comment ça, nos hameaux? Elles sont où? Elles sont où? Ah la loose! J'ai paumé les balles. Ah! Où c'est que j'ai trouvé quelque chose? Où c'est que j'ai trouvé des balles? Surtout. Je l'ai tiré tout à l'heure avec. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non! J'ai trouvé des balles quelque part à un moment. Ça sent le coffre quelque part. Mais j'ai perdu mes balles! C'est que j'ai pu les mettre. Là, il y avait des moustiques, donc je les ai attaqués. Oh là là. Ça, c'est d'une... mais d'une débilité. J'ai même pas vu où est-ce que je les ai paumés. Ah, bon. Bah, attends. Ah, d'accord, il me bouffe comme aigle, lui. Donc, autant, j'ai... Ah bah, il me les a bouffés. Voilà où elles sont passées les balles! Que je comprenais pas, ça fait... Tu prends bordel, mon coco! Qu'est-ce qui m'a bouffé encore? Mon bâton! Oh, mais il a combien de life? Deux, t'as quoi? T'as rien. Oh la vache! Long tong. Et le bouclier. Donc c'est le crapaud qui a les balles. Ok. Bon, vu qu'il y en a un qui est mort. Ah non, pourquoi lui il est très lent? Qu'est-ce qui fait que il est devenu encore plus lent que tout à l'heure? Là tu peux l'éteindre. Bon, faut qu'on retourne au cristal. Et je pense que nous allons terminer comme ceci, hein. Non, c'est pas par là. Oh, c'est saleté de crapaud, du coup, faut que j'arrive à le buter, là. La vache. C'est con, le crapaud. Bon. Riche en péripéties sur la fin. Donc, what? Pourquoi il a pas tout récupéré? Bon, ça va se récupérer tout seul. Donc, c'était Silverlinker pour ce 8e épisode. Hein. On est déjà à 8, hein, ça monte assez vite. Demi-heure par demi-heure, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'allers-retours. Que dire de plus? Là, on a découvert un marécage avec plein de conneries. On va essayer de le buter assez rapido, ces connards de merde là, ils ont pas mal de vie et ils font bien chier. D'ailleurs, on n'a pas regardé à quoi servait la tongue. Hop, bah nutrition. Ok, bon, n'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez vu un petit passage secret quelque part, à liker, à partager, si vous pensez que ça en vaut la peine, bien sûr. Et à vous abonner, surtout, pour suivre le reste de mes aventures. Donc, c'était Silverlinker pour vous, mes petits amis. Allez, salut !